Ouais, la taxe force est déjà là. Ouais, 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 c'est en bas là, c'est en bas là. C'est en bas là-bas, c'est en bas là-bas. C'est pour Kamto. Descends une fois là-bas, descends une fois là-bas. Qui te laisse une fois là-bas? Lucas, c'est la meilleure fois là. Ouais, ouais, Kamto, Kamto. Ah, il arrive. Il est déjà là. Kamto, Kamto. Il est déjà là, Maurice Kamto. Ouais, Tara. C'est pour Kamto? Ouais, va là-bas, là-bas, va là-bas une fois. En direct de l'aéroport international de Douala, donc, le président élu de la République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, va dans quelques instants descendre du ventre de l'avion. Romaric Tenda, nous sommes bien sûr à l'aéroport. Et je suis accompagné d'une grande quantité de personnes venues ici, très nombreuses, venir accueillir le président Maurice Kamto dans la ville où il a bien sûr tiré le pénalty et un peu partout dans le périmètre national et il a marqué. Je salue Eddy Abia, je salue Amélo L'Enfant, je salue toutes les personnes. La place ne fait que se gonfler de monde malgré tout ce qu'il y a eu comme interdiction de la gendarmerie, de la police. Bien sûr, vous pouvez remarquer. Jusque-là, l'aéroport est bondé de monde et je vais dans quelques instants faire un tour du côté de l'accueil même où le président Maurice Kamto est déjà certainement dans l'œuf de l'avion qui d'un moment à l'autre va atterrir ici à l'aéroport international de Douala pour le plaisir. Partagez, 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 partagez pour bien sûr voir et vivre en direct un chef d'État qui bien sûr se retrouve en train d'être accueilli par ceux qui l'ont voté. Nous qui avons battu la campagne, nous qui étions bien sûr en avant, je vous rappelle que la population est massée malgré toutes les interdictions. Il y a des gens qui attendent depuis pratiquement plusieurs heures, depuis le matin pratiquement ici. Et là, je vais bien sûr faire un petit tour pour que vous confirmiez que c'est chaud ici à l'aéroport international de Douala. Maurice Kamto à Douala, c'est tout un événement qui ne va pas dire son nom. C'est tout simplement la fierté du Cameroun en direct. Et Sam André Blaise vous fait vivre ce moment intense et chaleureux. C'est en direct bien sûr ici. Ou bien courir pour. Voilà, pour l'autre ici. Avec bien sûr une musique de l'extrême nord. Quand on sait que le Grand Nord a voté massivement pour Maurice Kamto, est-ce qu'on peut encore lancer le cri là? Et je n'oublie pas ceux qui ont été arrêtés lors du non-hold-up. Non-hold-up. Nous sommes là. Bien sûr. Nous sommes là. Jusqu'à toute l'équipe choc. Jusqu'à la gare. Alors, est-ce que vous êtes en train de demander à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo?
dehors de Nice Aéroport parce que comme tout le président va arriver d'un moment à l'autre, vous êtes là demander. Ouais, ouais, si c'est vrai, est-ce qu'on peut lancer la chanson? Oui. Comme on a souvent chanté. Comme ton notre président. Comme toi. Comme ton notre président. C'est l'homme qui a choisi. Plus fort. Comme ton notre président. Comme toi. Comme ton notre président. Comme toi. Comme ton notre président. L'homme qui a choisi. Comme toi. On va contaminer ceux qui sont devant là-bas. Est-ce qu'on peut descendre? On va contaminer en chantant. On descend pour les contaminer, pour ceux qui sont là-bas, à l'accueil. Voilà. On va descendre rapidement, pour contaminer ceux qui sont en train d'attendre sans chanter là. Parce qu'il faut que ce soit une belle chanson. Voilà. Non, le président, ça m'a vraiment. Voilà, on descend pour contaminer les autres. On descend pour contaminer. Qui sont là, calme ton notre président, 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 le peuple t'a choisi, calme ton notre président, et le peuple. Qu'est-ce qu'on fait? Le peuple. Qu'est-ce qu'on fait? Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, notre président. Plus fort. Calme-toi, notre président.
choisi. Le peuple
harmonisons, sinon on chante du drama, le son n'est pas bon. Oui, oui, oui. On harmonise, on chante au même moment. En restant au chaud, toi. Le peuple, qui en veut, on veut canto. Le peuple, qui en veut, on veut canto. Le peuple, qui en veut, on veut canto. Président, notre président, le peuple t'a choisi. Canto notre président. Tu vas voir le verre rouge, non? Tu vas acheter le verre rouge, on me dit arrête.
Donc arrête, ne fais plus comme ça. Quand tu fais comme ça, tu vois, non? Okay. Oui. Donc, tu me l'as bien comme ça. Tu me vois bien. Alors, ça a tout peur. Donc, tu filmes les gens comme ça. Ok. Donc, tu cales l'appareil normalement. Le bouge, quand tu bouges comme ça, ça plante. Ok. Normal. Il y a une heure pour les ténèbres et une heure pour la lumière. L'heure de la lumière est enfin arrivée. Une heure pour les ténèbres et une heure pour la lumière. Et l'heure de la lumière est enfin arrivée. Bon, tu prends la voiture, va plutôt gars à deux côtés, viens à deux côtés. Non, on m'a informé, je n'ai même pas regardé le forum, rien. On m'a informé comme ça, quand. Vous m'a informé. Tout à l'heure, pardon. Ah!
Comme les gens font là. Quand tu restes sur toi, les gens disent ici que tu ne sens pas l'image. C'est ça ici que je vois. Donc. Mais dis-le que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui fait. Oui, ça met tu vas sans le ok. Non, tu ne prends pas la chaussée. Ils sont obligés de à chacun son drapeau. Ah, ça va du mais tu m'as pas filmé. Ok, il te filme.
Tu es en direct. Oui, ok. Tout le monde attend Kanto. Oui, tout le monde attend. Le garçon de la République. Tout le monde attend. Mboho, mon mboho. Oui, arrête. Et quand même, t'as dit que tu ne filmes pas. Et peu pas mieux. Voilà. Campe notre président, le peuple t'a choisi. C'est lui, c'est le président, il n'y a pas de il était le seul. Allons à la chaussée, occupons. Libérons la chaussée. Allons sur toi. Qu'elle ne tremble plus ton bras. Ça fait danser les marches. C'est vrai que c'est pas facile ce que tu fais, mais bon. Il y a un mal. Président, le peuple t'a choisi.
Le Messie lui-même en personne, le professeur Moïse Kanto. Moïse est revenu sur terre. Délivrer le peuple camerounais. Moïse, peuple des millénaires, est revenu sur terre au Cameroun. Kanto, notre président. J'ai fait le déplacement. Non, c'est important. C'est comment on fait? La compétence est compétente. Notre toit, je vous en prie, notre toit. Pardon, pardon, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le boudoir, le boudoir, le boudoir, le boudoir. Président, président, président,
Ressens entre toi. Avec un canton. Avec un canton. Avec un canton. Président. 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 Président.
On veut Kamto. On veut Kamto. Président. 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 Il n'y a même pas de différence. Si on veut un blanc, on bouche même là. On a bouché la route, on n'a pas parlé. Mais comme c'est comme toi, on nous demande de quitter. Quoi que ce soit, les voitures passent normalement. Oui. Un gars m'a frappé, vous n'avez pas arrêté le gars. Attention! Combien trois personnes?
Libérez-les,
pardon. Je suis en train de lui filmer sur son téléphone. Il va venir, tu vas le voir. On entendait très loin jusqu'aux États-Unis. Il faut le plus. Liberté. Plus fort, plus fort. Liberté. Et tout ça. Je vais par exemple lire Fojo qui dit que vous êtes des sans-papiers. Mais je n'entends pas qu'on vous rie. Moquez-vous là. Moquez-vous de celui qui dit que vous êtes des sans-papiers. Il y a quelqu'un qui dit Kamto, président. Kamto. Président. Kamto. Président. Kamto. Président. Kamto. Président. Canto, canto, cha 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 cha. On va lire d'autres personnes. D'autres personnes disent bravo. Est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui disent bravo? Je lis d'autres messages. Vous savez que lorsque les Camerounais défilaient à Paris, aux États-Unis, on les appelait les sans-papiers. On les appelait les sans-papiers. Oh, ici, est-ce qu'il y a des sardinats ou il y a des tontinats?
S'il y a des tontines, est-ce que je peux entendre le bruit? Ouais. Ceux qui sont tontinants, levez la main, levez la main. Les tontinants, levez la main. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceux qui ont la carte d'électeur et d'électrice, vous pouvez sortir ça pour ceux qui sont venus avec. Ceux qui sont venus avec la carte d'électeur ou d'électrice, sortez ça s'il vous plaît. Tendez bien. C'est ça. Naïdis, c'est moi. Oui. C'est un tontina. Qu'on a payé les individus à Yaoundé pour venir faire l'accueil de Maurice Kamto. Ceux qui sont ici à Douala, est-ce qu'on peut faire du bruit? Non, on ne vous a pas payé. Vous n'attendez pas l'argent? Vous n'attendez pas le pain sardine? Vous ne voulez pas manger le pain sardine? Jurez que vous n'aimez pas le pain sardine. Tu dis que c'est un fabricant, un directeur de société, un enfant. Donc vous êtes directeur de société. Filme ça. Vous êtes directeur. Dis-lui qu'il va se faire foutre. Que j'ai laissé les employés pour venir ici là. Est-ce qu'on peut applaudir pour les directeurs? Changement. Ce qu'on attendait. Changement. Bon, changement. J'aimerais accueillir ici des présidents de partis politiques qui ont donné leur foi au parti de Maurice Kamto, comme Jean-Paul Erikinger, c'est Sa Majesté. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui là? La coalition est donc présente. Si la coalition est présente, le Cameroun est présent. Maintenant, j'aimerais accueillir ceux qui ont démissionné du RDPC et qui sont venus ici dans le MRC. Parce que je ne suis pas venu avec le baf. J'aimerais savoir si on peut observer une petite minute de silence pour tous nos frères de la partie nord-ouest-sud-ouest qui ont perdu la vie encore. Une minute de
silence, on enlève les chapeaux, s'il vous plaît, pour nos frères du nord ou sud-ouest. Et silence, s'il vous plaît. Nous pensons à tous nos frères du nord-ouest, sud-ouest et de l'extrême nord qui ont perdu la vie. Silence, dans le cadre de la crise au nord, tous les Camerounais qui sont partis pour, dans la lutte donner à ce pays les lettres de noblesse, les lettres de noblesse qu'on lui connaît. C'est un grand pays, le Cameroun. Je vous remercie. Actuellement, hommage à toutes les populations qui continuent de souhaiter le changement dans la paix. Avec une chanson de paix. Discipline. On ne peut pas voler. Moi j'ai voté pour Kamto. On ne peut pas voler sa victoire au nom de Paul Eric Ngué. I vote for Mr. Kamto and I'm very happy to receive him here today. So we are all happy to receive our president Moïse Kamto here today present at the international airport of Douala. I'm from Boya, so I came to be happy to receive our president Moïse Kamto here in Douala. We are here present, all the party members. So I'm very happy. Is it somebody? You have paid your transport, free transport. No, I came here with my car. I took my car from Boya here. So this is my car from Boya to Douala. To bring so that you are very happy to lose this time and to come here to support Mr. Professor Maurice Kamto, the elected president of the Republic of Cameroon. Really, really. It's a pleasure for me today to be here. What is your hope about the Northwest-Southwest crisis? For the crisis, me, I'm hoping that if Maurice Kamto, if the change can come so that all our parents... Are you sure of it? I'm very sure. Do you have the faith that Maurice Kamto can change? I have the sure. I'm very sure for the change of Maurice Kamto. That's why I'm here from Boya to here is about 80 kilometers. So I'm very happy to be here. So I'm like greeting all my friends in the Northwest and the Southwest. Everybody, we are happy. I'm here for everybody at the Southwest and Northwest. So yeah, I'm very thank happy. You. Good. Thank you. Thank you. À mon avis, les choses sérieuses doivent commencer et dans la discipline. Je me rappelle une des formations politiques au Cameroun qui avait accueilli son président de cette façon. C'était le SIF à l'époque. Aujourd'hui, l'époque est révolue et aujourd'hui, c'est le MRC. Je n'entends pas ça, c'est le MRC. Je n'entends pas ça, doit fonctionner fort. C'est le MRC. Et quand on chante l'hymne de la Renaissance, l'hymne de la Renaissance. Qui connaît l'hymne de la Renaissance? Qui peut nous faire jouer l'hymne de la Renaissance à travers YouTube? Oui, celui qui a YouTube. Vous connectez, on va faire jouer l'hymne de la Renaissance. Mais ça ne sera pas publié, c'est pas grave. Faites jouer sur YouTube. Connectez-vous sur YouTube. Vous tapez hymne de la Renaissance. Voilà. Tape le volume. Il faut apprendre ce film, s'il vous plaît. C'est le souffle de la Renaissance du Cameroun. On va apprendre cette chanson, s'il vous plaît. C'est le souffle de la Renaissance du Cameroun.
Ouais, où est je ne suis pas venu avec la volume. J'ai eu un problème. C'est tout le volume. Mais je ne sais pas s'il y avait les baffles amplifiées ici. Patron. Voilà. Merci beaucoup. Apprenons cette chanson rapidement, s'il vous plaît. C'est sur YouTube. On va lancer ça. Est-ce qu'on peut accueillir le maître monsieur Djoumessi et monsieur Moutaga sous vos ovations? Est-ce qu'on peut applaudir? Je rappelle que Moussa Moutaga est un enfant qui vient du nord-ouest, sud-ouest. Il appartenait d'abord à une formation politique, le PADEC. Actuellement, il a démissionné du PADEC, de Momo Jean de Dieu, pour retrouver le MRC. C'est la vérité. Merci, monsieur Essama. Chers amis politiques, suivez attentivement. Je suis vraiment content d'être militant du MRC aujourd'hui. Après avoir démissionné du PADEC, ancien premier vice-président du PADEC, une chose que j'aimerais vous dire, je n'avais pas connu le MRC, mais j'avais connu M. Kamto. J'ai démissionné du PADEC parce qu'il fallait suivre l'homme qui a une vision pour notre pays. Une vision de changer le Cameroun dans la paix. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'aéroport international de Douala pour accueillir l'homme que la plupart des gens, le peuple en général, estime que c'est lui qui a gagné les élections présidentielles du 7 octobre 2018. Est-ce qu'il est déjà là? Dans quelques minutes. Son avion va atterrir. Je crois qu'on vient juste de me informer pour vous dire le président élu, l'homme qui a. L'envoyé de Dieu pour changer. Parce que vous savez, le Cameroun est de plus en plus divisé. Je suis originaire du Nord-Ouest, mais j'ai choisi le MRC. Monsieur, aujourd'hui, il y en a certains qui parlent des bêtises. Ils racontent les bêtises que le MRC est un parti tribal. Pour ceci, cela, j'aimerais vous dire une chose. Le secrétaire national du MRC est mon frère du Nord-Ouest. Oui. Il y en a qui se mettent Sim, qui est du littoral. Il y a Madame Doki Michel, Maître Doki Michel, elle est où? Elle est Douala. Et à vous, Monsieur Essama, vous n'êtes pas de l'Ouest. Papa, tu es fatigué. Pardon de reposer. Papa, tu es fatigué. Comme notre président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tcha. On va arrêter la route. Non. On va arriver à la base. On va organiser une nationale. Attends, demandez au nom de l'État. S'il vous plaît. Libérez la route. Attends un instant, viens là où tu es là. Je vais venir là où tu es. Libérons la route, s'il vous plaît.
Je laisse engager. Ma mère, fille, ça m'a fait. Libérons-le, s'il vous plaît. Madame, vous avez décidé de venir accueillir Maurice Kamto ici à l'aéroport. On vous a donné le transport. Non. Vous êtes venu ici, on vous a donné le transport. Non. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de l'argent à OMS. Parce qu'il y a le prince. On vient parce qu'on a foi. Bénévolat, je suis là parce que je veux soutenir mon président. Et c'est le bénévolat. Je l'ai fait depuis le début de la campagne et jusqu'à présent. Je ne suis pas là pour le prince en ville. Et je le soutiendrai jusqu'à la gare. Alors, maman, vous êtes une fervente militante du MRC. Oui. Je suis un sympathisant. Vous ne prenez pas l'argent de transport au MRC. Pourquoi faire avec cet argent? Au contraire, c'est moi qui donne. C'est moi qui donne. Si, moi, je donne pour l'amour de mon pays, pour le changement, pour la jeunesse. Je voudrais que ça change, c'est tout. Moi, on ne me donne rien et je ne veux rien. Moi, je veux le changement. Que notre Moïse, le rédempteur du Cameroun, entre Dieu et les hommes et le peuple, que nous avons ce changement. On a voté, on a gagné. Seulement moi, en Maraporo, je pouvais donner les 5%. Maintenant, nous disons, nous avons combien pour ça? Le vol! Qui dit qu'elle a la chair de poule quand elle voit tout ce que vous aviez dit, maman, tout à l'heure. Elle dit que j'aurai la chair de poule toute ma vie. Elle veut voir le président Kamto à Etouti. Ok, c'est ce que nous voulons. Moi, j'ai été malade au moins un mois parce qu'on a volé, ma victoire. J'ai travaillé. Vous allez dire on ne bouge pas. On ne bouge pas. Quittez un peu ça, il veut voir. On ne bouge pas. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Même si on amène le billet. Même si on amène le billet. On ne bouge pas. Même si on amène la gendarmerie. On ne bouge pas. Même si on amène les militaires. On ne bouge pas. Même si Paul Biya arrive. On ne bouge pas. Ce n'est qu'une question de temps, ce pouvoir nous reviendra. Prenons tout notre temps. La liberté sera après 36 ans, il y a les enlèvements, il y a les meurtres. Ça veut dire que le truc en place, le pouvoir en place a échoué. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Le président arrive, notre président élu par le peuple, il arrive, on ne bouge pas. Regardez comment l'accueille. Merci, président. Bon, je voulais poser une question encore.
Aujourd'hui, le Cameroun est en train de traverser une crise très difficile avec la dénonciation à ELECAM et son conseil constitutionnel du hold-up électoral. On a arrêté certains membres du MRC et de ses partisans militants. Est-ce que vous êtes prêts à être arrêtés? Je demandais, est-ce que vous êtes prêts à arrêter tous ceux qui ont volé les élections avec Maurice Kamto comme le très grand homme de droit? Est-ce que vous êtes prêts à faire arrêter toutes ces personnes qui ont volé les élections avec Maurice Kamto? Attendez, je prononce les noms. Est-ce que vous êtes prêts à arrêter Clément Tangana? Attendez, vous voulez donc dire que les résultats des élections à l'extrême nord sont faux? Donner 106%. Après avoir fait le comptage, on trouvait 106% comment? Alors, vous voulez donc dire qu'au nord, ouest, sud-ouest, il est impossible que nos frères aient voté pour Paul Biya jusqu'à ce qu'il gagne là-bas? Est-ce que c'est impossible? Très impossible. Bon, Paul Biya, recevable ou irrecevable? Clément Tangana, recevable ou irrecevable? Irrecevable. Maurice Kamto, recevable ou Paul Biya, il est sévère. Vous voulez dire que Clément Tangana, il est sévère. Clément Tangana, il est sévère. Je suis en train de me rendre compte, pendant les élections ici, vous n'avez pas donc mangé la sardine. Non, montrez votre... Levez la main vraiment, si c'est vrai. Pas de sardines. Nous avons plus de contribuer pour le... Attendez. Vous voulez donc dire que les pains du RDPC de Paul Biya qu'on partageait là, vous n'avez pas discuté ça? Il y a pas le feu. Ils ont changé le feu. Même quand il n'y a pas le feu, c'est qui recevable? Bon, pour la liberté.
liberté d'expression au Cameroun pour ceux qui ont mangé la sardine. Est-ce que vous voulez donc dire qu'il faut les convertir? On va les convertir. Et comment doit-on les convertir? Alors, il y a Myriam Thiepe qui regarde depuis les États-Unis. Elle m'a soutenu quand j'étais bien sûr en prison pour avoir détruit le monument du général Leclerc. Est-ce que vous êtes donc d'accord qu'on met les monuments de Oumiobe, Ernest Ouandié, Félix Moubié, comme c'est inscrit dans l'hymne de MRC? Et vous êtes donc convaincu que le président Kamto va mettre ce monument? Sud-Ouest. Qu'est-ce que vous avez l'impression que Maurice Kamto va faire au Nord ou au Sud-Ouest? Un bon père. Ils vont exprimer leurs problèmes et Kamto doit trouver une solution pour leurs problèmes. Lorsque le président Kamto a pris la parole, il s'est exprimé parfaitement en anglais. Est-ce que vous êtes fiers de lui? Est-ce que vous aussi vous allez apprendre l'anglais comme Maurice Kamto? Nous avons besoin d'un bilingue. Pour commencer, il doit d'abord rappeler au Cameroun que le Cameroun est pris en otage depuis 82. Depuis le 6 novembre 82. Encore ensemble, le peuple camerounais a libéré le Cameroun en 2000, le 7 novembre 2000. 7 octobre. Le 7 octobre 2018. Aux unes. On attend jusqu'au bout du contraire cette liberté finale. Je n'ai plus rien à dire depuis que ça. L'otage est fini. Le Cameroun est pris en otage depuis 82. L'otage est fini aujourd'hui jusqu'au bout du contraire. Bon, le Cameroun a donc pris conscience que la sardine n'a pas de tête à l'intérieur de la boîte, c'est vrai? Vous avez déjà vu ça, quand vous ouvrez, vous voyez la tête, ils ne réfléchissent pas. Il n'y a même pas de tête dans un pot de sardine. Avec la tortue, avec la tortue, on peut s'acheter un terrain. Avec la tortue, on peut s'acheter un terrain. La sardine, ça coûte combien? La pot de sardine, c'est 400 francs. Ça me fait un pas 20 000. 1900, ouais. Et un sardine, c'est combien? Alors, je voudrais maintenant avoir votre point de vue. Tous ces artistes musiciens qui sont partis chanter à la gloire de Paul Biya. Attendez, donc dans une fête, vous n'allez jamais mettre le mari de ma femme. Jamais. Roméo Dika. Jamais. Tu ne vas jamais suivre ça. Le problème des droits d'auteur. Elle te passe. Mais on a un sardine. Ils ont ça. Ça n'a pas la sardine. Ça va. Tu vas aller là. On a le problème des droits d'auteur. Je soutiens la diaspora. Parce que les sardinats ici, ils n'ont même pas le droit d'auteur. Non, libérez à votre père. Mais ils se permettent. Mais ils se permettent d'aller soutenir les soutenables. Merci. Je disais tantôt. S'il vous plaît. Je suis venu là-bas. Au revoir. Ce qui est réclamé au président. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gendarmerie, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir pour la gendarmerie? Grrr, parce que ce
les gendarmes, lui, il est très bien éduqué. Il vient parler au populaire. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour la gendarmerie? Par rapport aux artistes, oui. Je disais tantôt que les artistes n'ont même pas leur droit d'auteur, mais ils se permettent à soutenir l'insoutenable. Parce que nous, c'est le peuple qui soutient les artistes. Je vois des femmes ici qui sont prêtes. Est-ce que vous allez payer le pain du 8 mars? Jamais. 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 Je n'ai jamais pas de ce que je ne porterai jamais. Pour le pain du 8 mars. Ça ne servira à rien. Attendez. Donc, vous, le 8 mars, vous allez vous habiller. Donc vous soutenez Madame Monique Koumateke? Oui. Vous ne voulez plus qu'on vole les bébés de Vanessa Tchatchou? Non. Donc vous vous habillez en noir pour toutes les femmes du Nord, Ouest, Sud, Ouest qui ont perdu leurs enfants? Oui. Et les enfants? Oui. Les enfants. Michel Doki. Donc vous serez au tribunal le 4 décembre. Je ne sais pas si je suis là.
D'accord. Thank you.
arrêtez bientôt parce que les gars peuvent arracher le téléphone. Dites-moi en calculant que les gars peuvent venir arracher. Calcule que les gens peuvent arracher.
gens sont connectés. Regarde, c'est que tu as balayé le... Oui. C'est 3500 personnes. 3500 personnes. Yeah.
Donnez-moi tonton de côté de Mundo Costa. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Ouais. Tu vois tellement d'appétit que tu dois dire qu'il fait pa, 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 pa. Merci. Ça n'a pas encore fait pa, pa. Ça va faire pa, pa. Comment tu dis que tu es déjà de l'autre côté du monde? Non. C'est même pas ça. C'est parce que j'ai capté une chaîne de radio. Ah, mais. La chaîne de radio, là. Elles vont s'installer par tout le Cameroun, c'est-à-dire nord, sud, est. Elles seront là bientôt. Ah, Mais Javi, Mais Javi, c'est la chaîne de l'heure. C'est la chaîne de la nouvelle génération. Où sont tes petits frères? Ils sont en vacances, je suis avec Safaria. Ah, rien que vous dites. Oui, papa. La langue est un peu déchirée. Pardon? Non, je disais seulement que vraiment vous êtes de très bons enfants. Ah. Ça, frère de Dieu. Ah, Safaria. Oui, papa, Fingon. Ah, ça va, mon fils? Oui, tata. Tata, c'est mon fils, comme il y avait. Allons, allons. Non, attends d'abord. Hey, Safaria, viens, dans la porte, viens. Tu as passé? Oui, je me suis pas passé. C'est bien, ça. Donc toute ta culotte va acheter un bonbon avant de revenir. Merci, avant le pipi. Ok. Mais Dieu, quand il va se faire sortir. Ça la veut. Oui, papa. Donc tu allais te laver. Oui, papa. Allons, je vais te laver. Pardon? Allons, je vais te laver. Non, papa, je suis désolée. Je ne veux pas que tu me laves. Tu sais que dans l'enfance, c'est moi qui te laverai la main. Mais j'ai grandi, je suis plus une gamine. C'est la bénédiction que je veux te donner. Allons, je te lave. Non, c'est gentil. Je vais me laver toute seule. Est-ce que l'enfant grandit devant ce pas-là? Thank you.
Le président Sassou lui-même est là. On va les aller car. Jésus-Christ qui est revenu sur terre. La manière qu'il avait la, il y avait la foule. Si tu es ça, non, garde ici, attention. Parce que là où tu pars, là, tu n'auras pas à regarder. Non, il peut continuer, il n'y a pas l'embouteillage en haut. Il a pris le ton problème, c'est quoi? Tu es là, tu regardes. Thank you.
Yeah.
Il est où alors? Jusqu'au matin.